Paris-Nord, c'est-à-dire Paris-Paris-Presse. Il est membre de l'Institut universitaire de France depuis 2013. Et il est surtout historien social, culturel aussi. Il travaille sur l'histoire sociale et du XIXe. Bon. Sa thèse, je ne l'ai pas lue, mais il paraît intéressant. Policier dans la ville, la construction d'un ordre public à Paris 1854-1914. C'est paru pour le presse de la Sorbonne en 2012. En 2014, Paris, c'est bien, monsieur automatiquement, j'espère que vous avez compris que Quentin de Larron, c'est à 2016. Nord, Paris 13, et ce qui est important, l'essentiel, c'est qu'il est historien du 19e siècle. Sa thèse est publiée en 2012, en 2014, publiée en livre, le crépuscule des révolutions, 1848-1871, sur l'expérience démocratique au 19e, enfin le second 19e siècle. Mais dans le temps court, ça c'est le 19e siècle, ensemble, pour le temps long, si on veut, dans le temps court, vous avez fait une histoire qui va vous intéresser au moment communal. Et c'est de ce moment-là actuellement qu'il s'agit ce soir. Et j'ai relevé quelques titres. Enfin, vous avez déjà fait beaucoup de choses sur la commune, finalement. Et ces quelques titres des ouvrages, des textes qui paraissent dans des ouvrages collectifs, des communards sur les barricades, les femmes soldats de la commune de Paris. Les canards de Paris au combat, les enfants soldats sur la commune de Paris, évincés vieux, c'est toujours intéressant, dans l'espace public, iconoclasme religieux sous la commune de Paris, comparer les massacres, juin 48 et la semaine sanglante, 1905. Alors vous allez donc nous entretenir les temporalités en révolution autour de ce nouveau que fut la commune. De voici le micro. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez bien? Je vais passer par vous. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour votre invitation. Juste mettre une orange pour pas dépasser. Je suis très content de venir parler avec vous ce soir et de parler effectivement de ces travaux que je mène sur la commune de Paris depuis quelques années, qui ont donné lieu à un livre, ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, qui s'appellera La traversée des mondes au XIXe siècle, de commune 1870-1871, qui paraîtra a priori à l'automne prochain. Alors, ça peut paraître curieux, voire présomptueux, de proposer encore un travail sur la commune. Vous savez, il y en a énormément. Robert Le Quiec qui avait une bibliographie des titres, hein. Simplement le recensement des titres, ça vous occupe 600 pages. Et c'est des ouvrages en français, en anglais, en allemand, en chinois, en anglais. Une ville ne suffirait pas en réalité à lire ce qui est produit sur la commune. Et tout semble avoir été réalisé déjà, sans compter que le Jean-Luc Robert prépare une somme sur le livre. Donc, face à tout ça, évidemment, la modestie l'emporte, et particulièrement dans un développement. Donc, je vais vous présenter quelques lignes hein, de temporalité qui sont à l'œuvre sur la commune, qui complèteront au fond ce qu'on vient d'entendre. J'ai juste une petite question par avant. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des spécialistes émérites de la commune, mais peut-être que d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'un bref rappel des événements est utile ou est-ce que je passe directement au cœur du. En gros, qui est-ce qui a besoin d'un bref rappel C'est bon. Parfait. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais donc ça me fera déjà gagner un peu de temps sur donc, la présentation des différentes mesures de la commune, des différentes positions qui sont utiles. On a parlé aussi. Et ce qui a marqué le plus, évidemment, c'est la fin de la commune, d'un côté l'incendie des bâtiments, et de l'autre, le grand massacre de la semaine sanglante, qui, vous le savez, a donné lieu à de nombreux débats, éventuellement, on va parler aussi. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette commune, d'un côté, elle est extrêmement riche, et je vais vous le rappeler encore aujourd'hui, et de l'autre, il y a une interrogation ancienne des historiens, et que je crois de plus en plus forte, sur la portée de ces réalisations. Beaucoup trouvent qu'au fond, peu de choses ont été complètement réalisées. C'était le cas des acteurs eux-mêmes, hein, André Léo pour les femmes, Eugène Barin pour l'aspect social.
Et récemment, il me semble que les historiens finissent même par s'interroger, c'était déjà le cas des historiens marxistes, sur la portée, sur la dimension révolutionnaire de l'événement lui-même. Au fond, la question qui reste posée, aujourd'hui encore, est de savoir comment cet événement en cours, 72 jours, au fond, a pu avoir une telle portée, un tel impact à l'échelle mondiale, quand même, surtout le XXe siècle, et aujourd'hui encore, puisque la Commune, vous savez, continue d'être mobilisée dans les mouvements sociaux. Donc l'objet de mon travail en question, c'est d'essayer de répondre à cette question avec deux dimensions. La première, c'est celle de l'espace, dont je parlerai aujourd'hui, et l'autre, c'est celle que je vais évoquer aujourd'hui, c'est celle du temps. Il y a deux manières de traiter le sujet. D'une part, inscrire la Commune dans des temporalités historiques. À quelle histoire elle appartient ? Et puis la deuxième, ce qui a évoqué, je vais aimer cette notion de mémoire sensible, c'est exactement ça, la perception que les acteurs ont de l'histoire et ont de laquelle ils interviennent. Et c'est les deux points que je vais évoquer ici. Mais avant de rentrer dans cet élément-là, juste, il faut comprendre pourquoi la question se pose autant, rappeler les débats qui ont eu lieu sur la Commune, parce que lorsqu'on parle de la Commune, on ne part jamais de rien. Et vous verrez, il me semble qu'un des grands débats qui court tout au long de ces échanges historiographiques et politiques, c'est de savoir au fond à quelle temporalité, à quelle histoire appartient la Commune. Alors là où c'est plus évident, c'est pour l'analyse marxiste, qui a pendant très longtemps dominé l'historiographie de la Commune, qu'elle soit marxiste ou d'inspiration marxiste. Ça, c'est à peu près la même chose, puisque la question qui était posée, c'était assez simple, c'est où est-ce que se situe la Commune au sein du mouvement ouvrier ? C'est ce grand adage, la Commune, crépuscule ou aube des révolutions. Et pour les marxistes, elle est à la fois crépuscule des révolutions du XIXe siècle, la fin en quelque sorte du cycle ouvert par 1789, et elle serait l'aurore du mouvement ouvrier moderne, ouvrant sur une nouvelle révolution qui serait structurée idéologiquement et en termes d'organisation. En général, c'est la révolution russe que ces historiens avaient. Et tout ça, ça donnait beaucoup de travaux, et qui cherchaient à chaque fois, en gros, quand est-ce qu'on passait de ce qu'on appelle l'âge romantique des révolutions à l'âge, en quelque sorte, moderne, scientifique, sérieux. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, la Commune, en quelque sorte, elle est bien placée, intéressante, mais un peu jeune, en gros, si je devais m'amuser un peu. Alors, c'est pas le... ça, c'est un modèle temporel. Un autre qu'on a vu déployer, surtout dans les années 1960, en opposition notamment au stalinisme du côté des libertaires, mais aussi du côté de la sociologie, c'est une lecture un peu plus anarchiste. Par exemple, le sociologue André Découflé, que vous pouvez connaître, en 1969, disait en gros, c'est pas la peine de chercher ce qui s'est passé avant, on s'en moque. La Commune, ce qui compte, c'est sa spontanéité, sa dimension fondamentalement libertaire. Elle n'a pas de passé, c'est un moment de surprise qui vaut pour tous les temps. On a un peu près le même discours chez quelqu'un comme Henri Lefebvre, qui va insister sur la portée anarchisante de la Commune. Donc dans ce cas-là, en fait, la Commune n'a pas besoin d'être inscrite dans une temporalité, ça vaut en soi. C'est l'aspect un peu germinal de la révolution. Ça, ce sont des catégorisations, des manières de passer la Commune qui la valorisent. Maintenant, d'autres tendent à la minorer et je pense que certaines se sont un petit peu imposées. C'est le cas par exemple de l'histoire républicaine française à partir des années 1980, celle de François Furet ou de Maurice Aguillon, François Furet qui devait absolument faire terminer la Révolution en 1889. Et en gros, ici, l'enjeu de ces historiens, c'est de comprendre comment est-ce qu'on arrive à avoir la Troisième République, cette fameuse plus longue des républiques. Et dans ce cadre-là, la Commune, au fond, elle apparaît un petit peu comme un événement par défaut. Événement mineur. Ce qui compte, c'est de comprendre, au fond, l'émergence de l'apprentissage du droit de vote, la conception de la République qui émerge en 1948. Donc, dans ces travaux, on dit en gros que la Commune, c'est très intéressant, symboliquement très fort, mais l'impact est très faible. C'est une espèce d'apex. Et ça se voit tellement bien que les historiens ne savent pas tout faire commencer par l'histoire de la Troisième République. 1870, 1871, en tout cas, on ne s'arrête pas très longuement, en général, sur la Commune, c'est une espèce de prologue dont on ne sait pas quoi faire. Bon, je m'arrête là, on pourrait multiplier, mais oui, en fait, c'est ce que je trouve intéressant avec cet événement-là, c'est qu'on n'arrive pas à la réalité, on n'arrive pas à le placer. On aimerait bien le placer dans une histoire, mais il y échappe toujours. Alors, le fait que la Commune ne colle pas à ces modèles du temps,
c'est un petit peu l'apport des historiens, des deux historiens qui ont pu travailler sur la commune récemment, qui sont revenus à l'événement. C'est d'un côté Robert Tons, hein, qui dit au fond on a négligé l'importance du contexte militaire et politique, hein, qui est très fort, et on a oublié que la commune rejouait une geste révolutionnaire qui a plus de force que ce que. Et l'autre, évidemment, hein, c'est Jacques Rogerie, qui lui aussi réinsère la commune dans une histoire, mais notre histoire, c'est le 19e siècle, le socialisme du 19e siècle français, les socialistes plus exactement. Et la grande idée de Jacques Rogerie, vous le savez, hein, c'est que la commune s'inscrit, ce qui vient d'arriver Jean de Robert, dans la République démocratique et sociale de 1848. C'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose, mais hein, c'est le nerf commun. Et donc, en gros, il faut retrouver ces mondes ouvriers républicains dont les conceptions nous paraissent un peu étrangères et qui, en réalité, quand on les retrouve, font sens aujourd'hui de façon tout à fait libre. Alors, la question le plus intéressant chez ces deux historiens, je trouve, c'est qu'au fond, ils laissent la question ouverte, ils ne répondent pas. À quel temps appartient la commune ? Dans quelle histoire est-ce qu'il faut d'un siècle ? Bien entendu, il y a plein d'autres historiens qui ont travaillé depuis Jacques Rogerie et Robert Tons, si je n'ai pas le temps de tous les citer, si je me lançais, enfin, je rends hommage à tout le monde et on s'en soutient, mais il y a évidemment beaucoup de travail. Mais il me semble que cette question reste posée. Et encore une fois, moi, ce que j'aime bien dans cet événement, c'est qu'il ébranle l'ordre des temps dans lequel on les a insérés. Ça ne colle jamais. Donc ce qu'on peut faire, c'est un peu ce qui vient d'être tenté, hein, c'est partir de l'événement lui-même et voir quelles sont les dynamiques historiques qui sont à l'œuvre dans le temps même de la commune. Hein. En gros, quelles sont les histoires que la commune porte en elle. C'est un peu ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors c'est dommage que Michel Rieux-Sarcey ne soit pas là, parce que un petit peu cette intervention en écho avec ce qu'elle fait. En fait, il y a deux manières de le faire. Celle que pratique Michel, que j'utilise aussi moi dans ce travail-là, parce que je pense qu'elle est très efficace, c'est de s'intéresser à la façon dont les communards perçoivent le passé, le présent et le futur. Et elle insiste sur le fait qu'il y a une discontinuité, c'est-à-dire une rupture temporelle. On est passé dans un autre ordre des temps, et c'est ça qui fait, hein, vous savez, cet espoir révolutionnaire qui pense en fait que vous pouvez estimer changer l'ordre du monde. L'autre méthode, hein, c'est celle que je vous indiquais, c'est de voir au fond quelles sont les histoires qui jouent, qui rejouent, qui émergent au cours de la commune. Ce que je vais faire, c'est mélanger un petit peu les deux, juste pour vous proposer des pistes. Comme l'a dit Jean-Louis Robert, c'est impossible de tirer tous les fils du passé sur la commune. Il faudrait même pas des années, des siècles. Je tire quelques fils, mêlant cette temporalité vécue et cette temporalité de l'événement. Je passe aussi sur la méthode que j'ai utilisée et les sources que j'ai consultées. Hein, j'ai passé 7 ans dans les archives, vous savez qu'il y en a beaucoup un peu partout. En réalité, c'est une commune. La commune, c'est un événement qui produit énormément d'archives, beaucoup plus riche que ce qu'on raconte. Et je pense que tu me contrediras pas, il y a encore énormément à faire et beaucoup à lire et à développer. Donc voilà, j'en viens au cœur de mon propos, c'est dynamique, temporelle, de la commune. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles ne répondent pas toutes au même rythme. Hein. Certaines sont courtes, d'autres sont longues, on a des cycles, on a des surgissements, et je vais essayer de vous présenter un peu tout ça. Alors, première, et je vais évidemment du plus simple au plus compliqué, et je réserve en dernier et plus expérimental, c'est vraiment pour la discussion. Donc, le premier, c'est le fait que la commune, d'abord, elle a son histoire propre, on peut retracer assez facilement, je commence par des banalités. Alors, vous savez qu'il y a un long délitement après la guerre franco-prussienne, puis il y a ce qu'on appelle la semaine de l'incertitude, le 18 mars et le 26 mars, les élections, une montée des espoirs extraordinaire au 28 mars, quand on relit un petit peu la manifestation de célébration de la commune à l'hôtel de ville, il y a un moment de cohésion qui est tout à fait remarquable. Puis, dès les premiers combats en avril, on voit des tensions émerger et on a un double phénomène, une accélération du doute, c'est les réfractaires, et en même temps une accélération du processus révolutionnaire à partir de début. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est classique dans les révolutions, hein, la commune est toujours prise dans le temps. Les communards, en fait, ils sont toujours débordés. C'est pour ça que la recherche des historiens marxistes qui a apporté beaucoup de connaissances, hein, pour en le noter, elle n'allait pas, parce que vous ne pouvez pas y avoir de plan cohérent de la commune, c'est impossible. On ne peut pas avoir une idéologie fixe en acte. On peut avoir des attentes et des pensées antérieures, et puis un mouvement qui va renforcer certaines expressions et en interdire d'autres.
ça un moment révolutionnaire. Ce qui est intéressant dans le cas de la commune, c'est que cette petite histoire que je vais vous raconter, elle se diffracte en notant d'autres histoires à l'échelle des quartiers. C'est-à-dire que chaque quartier va avoir sa propre histoire. Hein, je vous donne deux exemples. Dans le 16e arrondissement, alors qu'on étudie peu parce que c'est un arrondissement hostile à la commune, mais qui est extrêmement intéressant, le début du bombardement par les Versaillais fin avril provoque une espèce de rapprochement entre les acteurs de la commune, qui ont un petit peu téléguidé là-bas, et la commission municipale qui était extrêmement anticommunale. Ils vont s'entendre ensemble pour répondre aux troubles de logement et aux nécessités de la survie. Vous voyez, c'est un arrondissement qui a son histoire à lui. Même chose si on se déplace dans un autre arrondissement, le 17e arrondissement, dans le quartier des Épinettes, le quartier ouvrier, c'est beaucoup plus marqué, beaucoup plus communard. Le commissaire de police locale qui s'appelle Hubert, c'est un tapissier, et il instaure un type d'ordre tout à fait remarquable. On retrouve les archives, tout à fait remarquable, qu'on appelle le bon ordre chez les ouvriers, le bon droit, c'est-à-dire que les gens viennent, et plutôt que d'appliquer une règle, on cherche la conciliation au maximum, jusqu'à ce que les deux parties soient d'accord. Ça, c'est le bon droit des ouvriers, et en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est le droit avec lequel les ouvriers défendaient leur salaire, dans les tribunaux des prud'hommes. C'est-à-dire qu'il y a tout un droit propre au monde ouvrier qui se diffuse dans l'espace public de la commune au moment de la commune. Oui, il se passe des choses, en fait, à chaque fois, à l'échelle des quartiers. Il y a donc des histoires dans l'histoire. Et cette espèce de multiplicité des rythmes est extrêmement voilà, pour le premier temps. La deuxième, elle est plus cyclique, et j'en ai regardé évoqué, hein, c'est le temps cyclique des modes d'action révolutionnaires. C'est-à-dire que lorsque la commune démarre, pour faire révolution, les acteurs ne partent pas de rien. Ils vont reprendre des modèles antérieurs. Ça, les sociologues ont un mot très chiant. On appelle ça les répertoires d'action protestataire. Mais c'est un mot qu'on entend aujourd'hui dans le débat public, hein, à propos des Gilets jaunes, on parle de répertoire d'action. Voilà, c'est quoi un répertoire d'action? En fait, c'est assez simple. C'est des mots d'ordre, des scénarios, des chaînes de comportement qu'on reprend en révolution précédente et qui permet aux acteurs, au moment de la révolution, de coordonner leur action et de donner sens à cette action. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Enfin, si un jour il y a une révolution demain, vous ne savez pas comment faire pour signer, ben, vous faites une barricade et on comprendra qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est un répertoire d'action révolutionnaire. Alors la commune là-dessus, elle est extrêmement intéressante parce qu'on retrouve tout. On retrouve les mots. Révolution évidemment, on s'appelle citoyen, citoyenne dans les rues, on parle de comité de vigilance, on parle de comité de salut public. Même chose pour les lieux, c'est pas pour rien si le 18 mars, les foules protestataires se ruent sur l'hôtel de ville. C'est à l'hôtel de ville déjà qu'avait été fixé la fin de la révolution pendant les Trois Glorieuses, et c'est à l'hôtel de ville qu'on célèbre le nom du nouveau gouvernement provisoire en 1848. Hein, en France, on change la nature du régime à l'échelle du pays à l'hôtel de ville de Paris. Donc c'est un lieu évidemment extrêmement fort. Même chose pour les pratiques, la garde nationale, les barricades, les clubs, tout ça fait partie de la révolution précédente. Enfin, évidemment, là encore ça a été dit, ce n'est pas exactement la même reprise. C'est ça que je trouve intéressant. On voit ces éléments qui font qu'on ait une révolution, qu'il y a toujours des petites adaptations. Exemple de ces adaptations, contrairement à 1848, en 1871, on remobilise la figure du soldat citoyen de l'an 2, hein, celui de Valmy. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il vient d'avoir une défaite contre les Allemands, c'est un siège contre Versailles, et lorsque les communards tentent leur première sortie, hein, ils espèrent qu'on va avoir ce qu'on appelle une levée en masse. On est vraiment dans le rêve de Valmy, mais c'est pas un rêve, hein, c'est que les gens pensent que ça va marcher. C'est un passé extrêmement actif. De la même manière, vous savez par cœur, le drapeau rouge l'emporte sur le tricolore. Et puis on a un discours de la science qui est extrêmement important sur la commune, qu'on ne retrouve pas par exemple en 1848. Donc il y a toujours des adaptations. Mais ce qui est intéressant avec ce temps cyclique, c'est que ça permet de rappeler qu'il y a une certaine stabilité d'action révolutionnaire. La révolution, ça fait tout ébranler. Et puis on utilise ces répertoires d'action pour stabiliser un peu la situation. Et ça explique par exemple pourquoi, alors je vous ai dit, l'épisode est très bref, au fond, cette commune prend très vite forme et elle est très vite désignée comme telle. C'est la troisième révolution du 19e siècle français, la quatrième si on inclut la révolution française.
pour tout le monde, que vous soyez militant, intéressé, indifférent ou opposant, tout le monde sait ce que c'est qu'une révolution. Donc tout le monde la qualifie comme telle dès qu'elle a lieu. Il n'y a pas de surprise si vous voulez. Voilà pour ce cycle. Alors, quand je dis ça, le risque au fond c'est de dire bon, bah, les gens sont habitués, donc on s'ennuie un peu. Évidemment, ça n'a rien à voir. Un vécu de l'événement reste extrêmement intense. Pour bien des communards, vous savez, l'expérience est absolument extrême. Et là, c'est un autre rythme temporel. Et c'est là que j'utilise le Michel de Sarcey. C'est le surgissement, la discontinuité. On bascule dans une autre perception du discours. Donc, c'est mon troisième temps sur le temps vécu. Le moment révolutionnaire, une des caractéristiques du moment révolution quand il arrive, c'est qu'il modifie l'ordre des temps. Ce que vous estimiez avant être de l'ordre du futur, il disparaît. C'est d'autres futurs qui s'ouvrent ou qui deviennent absolument nécessaires. Nous disons les travaux d'un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin, et il dit en gros qu'on passe d'un temps du possible qui prend la place du temps quantitatif et mesuré du temps ordinaire. Et évidemment, ça concerne la commune. Alors, ça concerne qui dans la commune? Ça, c'est un vieux problème. Qui sont les communards en réalité? On ne peut pas prendre uniquement les 79 élus de l'élu, c'est un peu réduit pour une population qui fait plus d'un million. Même si beaucoup sont partis à l'occasion du cycle. Les communards, ça va être évidemment les militants engagés de longue date, qui seront dans les communards, mais c'est aussi tous ceux très nombreux qui étaient pas forcément politiques, qui n'étaient pas intéressés par la chose politique, et qui se découvrent révolutionnaires dans l'événement, qui vont adhérer à la commune. Dans ces cas, il y a un maçon qui s'appelle Martial Senis, qui a laissé ses traces. Mais je pense qu'il faut prendre aussi en compte tous ceux qui vont y participer un petit instant, et puis se rétracter. Tous ceux qui s'impliquent à l'échelle du quartier en disant qu'ils ne veulent pas s'occuper d'affaires politiques. Tous ceux qui, au fond, font vivre du moment commun. Voilà, c'est ça que j'appelle le moment commun. Hein. Même ceux qui n'interviennent que par intermittence, au fond, ils y participent. Et je pense que pour le saisir, aborder cette façon dont les gens vivent l'histoire pendant la commune, c'est un bon moyen. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs techniques, je vais vérifier pour toi. Tout d'abord, une technique très simple, il suffit de lire les journaux et les affiches. Hein, c'est d'autant plus facile qu'on trouve en ligne maintenant. Bon, au passage, il y a des sélections qui sont faites, c'est quand même bien de retourner aux archives des vrais, et on passe. Ce qu'on voit dans ces journaux, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on voyait dans les quinquennats. D'un côté, tous les passés précédents sont compactés. Hein, on désigne un monde d'avant. Ça, c'est le vieux monde. Alors, on voit très bien dans les descriptions, par exemple, j'en donne une, où je tiens le journal officiel, où la personne critique, je cite, les chouans, les ventreurs léanistes et les hommes de descente. Va ensemble, la contre-révolution, la monarchie de juillet, le Second Empire et Versailles. Évidemment que chacun de ces gens ne serait pas forcément d'accord entre eux. Mais pour un communard, tout ça, c'est la même chose. Donc, sur le plan social, on va associer tout ça à ce qu'on appelle la féodalité industrielle, qui est un terme qui naît dans les mondes ouvriers dans les années 1800. Tout ça, ça va ensemble. Ce monde d'avant, c'est un monde honni et détesté. A l'inverse, s'oppose à ça l'autre monde, hein, le monde des révolutions et des luttes et de l'espoir, et ça, on le voit de partout. Je vous donne une citation là encore. C'est un commandant de la garde nationale qui sait trouver des paroles qu'on n'entend pas toujours. Je vais prendre d'autres paroles. Qui dit, en gros, dans une affiche, « Montrons que nous sommes les dignes fils de 1789 pour maintenir la République démocratique. » C'est intéressant, vous savez, compact, la révolution française est 48. Vous savez, les communards ne se posent pas la question. Tout s'est passé. Et les références du passé sont Légion 48. 51 pas comme ça, il me semble. 1830, 1789, 91, 93. Mais même, on va bien au-delà. Le siège de Paris en 1790. Évidemment, les communes médiévales, j'y reviendrai dans un instant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces références au passé, C'est pas une langue de la mémoire. Hein. C'est ce que tu appelles la mémoire sensible. C'est des références vives passées. L'idée, c'est qu'il faut retrouver le temps des révolutions passées et avec lui, ses promesses. Et à l'intérieur de ce temps révolutionnaire, on peut changer le monde. Hein. C'est donc un temps actif. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que si ça n'était que des mots, au fond, ça ne serait que des mots. Mais ça se traduit dans les actes. C'est le deuxième niveau. Par exemple, dans les politiques de l'hôtel de ville, hein, on dit que l'hôtel de ville n'a pas eu le temps de faire grand-chose, en fait, ils sont en train de faire pas mal de choses.
Et c'est le cas des politiques temporelles. Prenons ce qu'on appelle la cérémonie démocratique du 5 avril 1871, c'est-à-dire la réappropriation de l'église Sainte-Geneviève qu'on retransforme en panthéon. Geste républicain et révolutionnaire s'il en est. Le transfert de souveraineté est évident, surtout que ça a lieu le 5 avril et que l'édifice avait été appelé Panthéon français le 4 avril 1791, soit 80 ans plus tôt. Donc on est en plein dans son date anniversaire. Ça, c'est typique d'une manière de revitaliser la mémoire révolutionnaire. Le Paris de la Commune revit le Paris des révolutions anciennes. Le meilleur exemple, il est très simple, c'est la résurrection du calendrier révolutionnaire. On vit dans le temps de la Révolution française. C'est sans doute l'exemple, toujours pareil, ce serait sur le temps le plus puissant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le retrouve pas seulement dans les politiques de l'hôtel de ville, on le retrouve dans le quotidien même des quartiers. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a plusieurs histoires dans chaque quartier, donc ça dépend des quartiers. Vous dans le 16e arrondissement, c'est pas très bien. Dans les quartiers communards, vous connaissez bien, on le trouve très bien. On s'appelle citoyens et citoyennes. On le voit dans cette tentative de créer des associations de métiers. On revient un peu le terme de corporation. C'est pas l'idée de retourner à l'ancien régime, c'est de retrouver une dynamique de culture de métier très forte, lui rendre sa dignité. Enfin, c'est un autre mot majeur. Mais on le trouve dans des détails parfois étonnants. Sur les rapports aux commissaires de police de la commune, en général, Yvon Barret, souvenez-vous le mot saint, le commissaire de Saint-Denis, bien sûr, c'est le commissaire de Denis. Donc il y a comme ça ce travail de nettoyage symbolique de la ville qui transforme concrètement l'espace. Donc vous voyez cette espèce de bruissement comme ça, mais le temps de la commune n'est pas celui de son empire, n'est pas celui de ce que sera la troisième année. Alors dans ce bruissement, parce que ça remet ça en question, les quelques éléments généraux qu'on peut dégager, puis après on rentrera ensemble dans ces attentes minutes. Parmi les éléments généraux, souvent, ces attentes révolutionnaires sont marquées par cette idée de progrès et cet appui sur la science dont je vous parlais tout à l'heure, qui caractérise les années 1860. Et là, j'en ai parlé avec Michel Ressensé, elle est d'accord avec moi, mais ça devrait être développé. Je crois que c'est quand même une différence avec 1840. Mais si vous en voulez un exemple, il suffit d'écouter la grande affiche du 19 avril 1871. Vous savez, c'est ce qu'on a appelé le texte de définition de la commune. Hein. La révolution communale inaugure une ère nouvelle, là, je sais. De politique expérimentale, positive, scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et culturel, etc. Donc il ne s'agit pas simplement de revivre le passé, mais bien de réactiver un autre futur. Ce qui m'avait surpris quand on regarde les documents administratifs de la commune, il y a des mots qui reviennent souvent. Par exemple, c'est le cas de ce colonel de Légion du 10e arrondissement qui demande simplement des sous à la commission municipale. Et il met, il le fait au nom de la lutte du passé. Contre la paix. Et non, la lutte de la paix contre le passé. Et ça, c'est une expression qu'on retrouve tout le temps dans les écrits. Il y a vraiment cette idée qu'il y a le passé et l'avenir, la commune, elle est du côté de la paix. Et c'est important parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où Versailles est en train d'expliquer que la commune est anachronique, et hors du temps, elle est vieillotte, ce que disent les communards, c'est qu'en fait, c'est eux qui sont du côté de la modernité. Et qu'ils en incarnent une autre modernité qui est urbaine, républicaine. Scientifique, populaire, égalitaire, émancipatrice. Pour eux, ça c'est la modernité, c'est pas ce qui reste. Deuxième point, deuxième élément commun, je viens de l'évoquer un petit peu, ce rapport au temps, il vient pas tout seul. C'est aussi le fruit de lutte, en fait. C'est aussi une manière de se défendre face à l'adversité. Par exemple, Versailles, qui sait très bien que ses textes sont lus dans la commune, donc en fait, ne cesse d'essayer de minimiser l'événement commun. On ne parle pas de révolution, on parle d'émeute. On ne parle pas du peuple, on parle d'une junte de quelques excités qui essayent de nous tromper. Il y a même, ça c'est quelque chose qui est intéressant, Versailles compte la commune en minutes, comme si elle essaie à chaque fois de la tuer dans l'œuf là où sous la commune on est déjà des siècles, des millénaires. Donc ça c'est un conflit temporel. Mais ce conflit temporel on le trouve aussi à l'intérieur de la commune. Il y a un banquier qui s'appelle Le Hideux, extraordinaire, déteste la commune. Il ne le supporte pas. Et pour lutter contre ce qu'il observe tous les jours, qui pour lui est vraiment de l'ordre sauvage et de total, il dit dans ses lettres qu'il écrit à sa femme, qu'il fait semblant d'aller au travail. En fait, il mime un rythme ordinaire de la vie urbaine pour lutter contre le temps de la révolution. Alors
C'est un cas extrême, mais il est intéressant. D'une part, ça me rappelle que dans le Paris communal, il y a beaucoup d'indifférents, il y a des opposants, il y a des prudents qui font aussi partie de cette histoire-là. Et d'autre part, c'est l'usure du temps. D'un côté, ça va accélérer ceux qui sont du côté de la commune. Face à ces gens qui font semblant de retourner au travail, au contraire, il faut accélérer l'événement, l'évolution. Alors, une fois que j'ai dit ça, on peut essayer de se saisir la multiplicité des paroles et de ces futurs qu'on entend dans la capitale insurgée. On les trouve dans les archives. On a des appels très généraux, je vais donner quelques citations. Le comité central, le bonheur d'un pays, l'avenir du monde entier sont en commun. C'est la bénédiction, la malédiction des générations futures qui vous attendent. C'est ce qu'on appelle le messianisme en évolution. Bénédiction, malédiction. On retrouve aussi des futurs au temps socialiste au sens du 19e siècle. L'affiche de l'Union des femmes pour la défense de Paris et son PC, profondément convaincue, je cite, que la commune, représentante des principes internationaux et révolutionnaires des peuples, porte en elle les germes de la révolution sociale. Mais on entendra également les rêves républicains, ce qu'on entend dans les clubs. Les idées justes viendront prendre place, ne soupçonneront plus leurs voisins, ils deviendront républicains. Autre rêve, le rêve patriotique, aussi fort. Reprenons nos armes et repoussons ces Prussiens de notre patrie. Et par l'enthousiasme que nous y mettrons, nous irons probablement au-delà. Tout ça, ça va ensemble. Tantôt ça converge, tantôt ça se sépare. C'est ce qui est intéressant et compliqué, je trouve, dans la commune, c'est qu'on ne peut pas l'assigner à un seul discours. Alors, on a des éléments structurants, je vous ai évoqué, la démocratie, la République démocratique et sociale, mais peut-être qu'il faut aussi se saisir de cette espèce d'explosion des paroles et des espoirs dans lequel tous les rêves du 19e siècle semblent s'être confrontés. C'est, à mon avis, un autre trait extrêmement important pour comprendre la commune. Ça, c'est le surgissement. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres temporalités qu'on pourrait évoquer. Je les évoque très vite parce que je vais insister sur la très longue. En fait, je veux nous emmener aujourd'hui jusqu'au Moyen-Âge, c'est l'objectif qui est le lien ce soir. Alors, parmi ces autres temporalités, il faudrait évoquer évidemment celles qui continuent d'agir, qui sont transformées sous la commune, l'osmanisation. C'est quand même la première révolution à 20 ans en 10 ans. Autre chose, la pratique du suffrage universel masculin, mise en place en 1848, jamais abandonnée depuis. C'est pour ça qu'on élit les membres de l'hôtel de ville, le suffrage universel, c'est une pratique acquise. C'est une grande différence par rapport à 48, ça aussi. Également, ça j'en ai Robert l'appel, les mutations économiques et sociales. Sous le Second Empire, ce que vous dit une grande historienne, c'est Jeanne Gaillard qui travaille sur Paris, sous le Second Empire, en fait, la grande misère tend à s'effacer un peu de la capitale, va se concentrer dans le centre-ville, et par contre, ce qui augmente énormément, ce qu'on appelle la misère épisodique. Et eux, c'est tous ceux qu'on va trouver dans les quartiers des arrondissements parisiens. Et c'est eux qui vont lancer l'insurrection au 18 mars. Ne jamais oublier, évidemment, les conditions sociales de l'insurrection. Même chose, le Second Empire est un temps de développement du capitalisme industriel. On voit les premiers grands établissements bancaires. Les historiens les ont bien montré. Hein. Ça commence à avoir des effets sur le monde ouvrier. Quand ils n'ont plus le contrôle sur le prix, ils se rendent compte que la décision concernant les processus de travail ne se joue plus au niveau de leur quartier. C'est aussi une réaction contre ça, la commune de Paris. Même chose, ça explique pourquoi le nombre d'employés est plus important sur la commune que dans la révolution précédente. Tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux, notamment avec la révolution commerciale. On pourra en rajouter bien d'autres. La République démocratique et sociale de Jacques Rougerie, qui naît dans les années 1820, qui se conforte. Le rôle de la Première Internationale dans les années 1860. Tout ça, ça se précipite sous la commune. C'est pour ça que c'est une révolution très riche et qu'on ne peut pas dire qu'elle ne dure que 72 jours. C'est 72 jours qui concentrent toute cette histoire-là. C'est pour ça que c'est un événement quand même extrêmement chargé. Mais je voulais donc essayer de vous emmener ce soir, enfin plus expérimental, sur une temporalité beaucoup plus longue, plus délicate à saisir, mais que je crois intéressante. On va partir d'un cas, les destructions d'église. Nous abordons peu, vous avez évoqué cet article sur les iconoclastes, je m'inspire de ça. Les bâtiments religieux dans Paris sont détruits en fait pour la commune, pas tous, en deux vagues. D'une part en avril, au moment de la séparation de l'État, puis lorsque les défaites controversées s'accumulent, en mai. Sur 66 paroisses dans Paris, 52 bâtiments sont touchés et 22 sont littéralement vandalisés, donc détruits de l'intérieur. Alors,
ces attaques peuvent être, tantôt elles sont organisées par des gardes nationaux, tantôt elles sont organisées par des maires d'arrondissement, tantôt c'est spontané, ça reste ceux qui rentrent dans l'église et puis qui cassent tout. En fait, elles ne cassent pas tout, elles ne cassent pas n'importe quoi. Les chansons à Notre-Dame des Victoires, dans le deuxième arrondissement, tabernacle et hôtel sont arrachés, le cercueil du fondateur de l'archiconférence, et ça fait hurler les religieux, est ouverte, son cadavre est exhumé. À Notre-Dame de Bonne Nouvelle, l'hôtel est éventré, les statues brisées, la statue de la Vierge est décapitée. Dans plein d'endroits, les perquisitions, au moment des perquisitions, les objets du culte sont profanés. Moi, je suis tombé sur une lettre, quelqu'un qui écrit à son nom, qui a un curé, qui dit, mais c'est pas possible, il pisse même dans les bénitiers. Il ne respecte donc rien. Donc, on a également des pratiques carnavalesques qui sont attestées, hein, au cours duquel les communards revêtent les habits sacerdotaux et miment la messe en chantant une chanson aussi. L'attaque la plus célèbre, vous savez, c'est sans doute celle du couvent de Picpus et des caves de Saint-Laurent, où les agents trouvent des restes de squelettes et très vite on les interprète, c'est forcément les restes de jeunes filles qui ont été violentées, violées, tuées par les prêtres. Là, on voit qu'ils ont eu un peu trop du Victor Hugo. On retrouve tout le roman gothique du 18e, 19e siècle dans l'imaginaire de ces gens-là. Et le cri du peuple s'enflamme, je cite, là voyez-vous cette scène horrible, ces jeunes femmes, ces jeunes filles attirées par des promesses, par l'espoir du plaisir, qui se réveillent ici, scellées et honorées. Mère de famille crédule, ici le catholicisme est à l'œuvre, contemplez-le. Alors ces pratiques, elles nous paraissent étranges, on les utilise peu parce qu'elles ne collent pas vraiment dans le paysage qu'on a. Et pourtant, elles ne sont pas dénuées de sens. Par de nombreux aspects, en fait, elles reprennent des gestes de la Révolution française. Beaucoup des églises dont je viens de vous parler ont déjà été détruites ou profanées pendant la Révolution française. Notre-Dame des Victoires, par exemple, avait été transformée, c'est assez drôle, en bourse des valeurs. D'autres bâtiments sont déjà transformés comme hangars, comme club. En fait, ça correspond à ce que je vous disais plus haut. S'attaquer à la pierre des églises, c'est réactualiser le temps révolutionnaire et retrouver dans le Paris de 1871 ce vieux combat entre d'un côté le fanatisme de l'Église, censé entretenir le peuple dans l'ignorance, et de l'autre, la raison et les lumières, source d'émancipation que mobilise. Alors, il manque deux petites précisions à ce que je viens de vous dire, sinon ce serait plus facile. Tout d'abord, sous la Commune, contrairement à la Révolution française, on ne transforme pas les églises en temple de la raison. On n'essaie pas de transformer un culte par un autre. Paris des années 1860 est beaucoup plus déchristianisé et alphabétisé. C'est vraiment une politique de sécularisation. On veut évacuer Dieu et dans ces lieux de l'espace public. Il n'a rien à faire. Allez, en revoir. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces gestes ne renvoient pas, on le voit bien, à la seule Révolution française. L'iconoclasme, ce n'est pas une invention de la Révolution française. Alors, l'analyse est difficile parce que on ne sait pas ce que disent les acteurs au moment où ils détruisent les statues. Néanmoins, on a du mal à ne pas penser à l'iconoclasme des guerres de religion du XVIe siècle. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on retrouve une grammaire des gestes qui n'est pas dépourvue de sens. Détruire l'autel et le tronc signifie qu'on ne peut plus faire le culte. Profaner les hosties nie le principe de transsubstantiation. La décapitation de la Vierge vise ce qui est supposé être le siège de l'âme. On dit que ces violences ne sont pas uniquement des violences brutes, elles ont un sens, et elles signifient, si on reprend cette très longue durée des pratiques protestataires, elles signifient en gros Dieu n'est pas là à vous penser. Pour les protestants, il est plutôt dans la Bible, pour les communards, il n'est pas là du tout. L'espace du sacré n'est pas dans ces lieux. Alors je suis bien d'accord, les acteurs n'ont pas, ils ne vont pas vous faire un cours théologique quand ils sont en train de détruire les statues dans les églises. Mais en même temps, ils savent parfaitement quand ils font ça qu'ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi. Qu'ils font quelque chose qui a du sens et un sens républicain. Et c'est ça qui est difficile, c'est quel sens donner à ces gestes qui ont l'air de remonter mais tellement loin pour tout ce que nous. Parce que des destructions d'église, on en retrouve dans les révoltes politiques du XIe siècle. Donc on a l'impression que sous la Commune, on rejoue des passés et des passés du passé. Des passés de passé enfouis qui remontent très très loin. Mais qui ne sont pas rien, parce qu'au fond, au moment où ils sont utilisés sous la Commune, ils sont porteurs d'un poids supplémentaire, ils viennent d'une action populaire, ils sont porteurs d'une légitimité. Et donc il faut peut-être aller creuser hein, jusqu'au Moyen-Âge. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il y a plein de pratiques qui sont bizarres sous la Commune. La destruction des demeures des plus riches, l'usage de l'ironie, les pratiques carnavalesques, la référence aux franchises municipales, c'est un mot médiéval quand même,
ou le rôle des métiers qualifiés. Si vous lisez actuellement les travaux récents, absolument passionnants, sur les révoltes à l'époque moderne et médiévale, ils vous montrent des éléments communs. Ils vous disent, ce qu'ils ont abandonné le siècle marxiste, etc. Ils s'intéressent aux gestes et aux pratiques, et il y a des choses qui questionnent. Ils vous montrent le rôle des artisans et des corporations dans ces révoltes médiévales et l'Ancien Régime, et corporations qui introduisent des règles de justice, ce qu'on appelle l'économie morale. Ils vous montrent également l'existence d'un authentique désir d'égalité, qui est fondé sur une lecture chrétienne, mais qui se caractérise aussi par une volonté d'autonomie, ce qu'on retrouve quand même si fortement sous la commune. On repère également la destruction des demeures les plus riches, c'est le grand classique, des églises, les grèves, les assemblées collectives, le rôle des rumeurs, le rôle de l'ironie, qui est probablement une des plus vieilles pratiques de subversion populaire, ou encore les jeux sur le calendrier, ou encore la volonté d'atteindre la chair concrète du politique. Tout ça en retour sur la commune. Alors je ne dis pas que c'est la même chose, loin de là. Surtout que la Révolution française, c'est pas pareil. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait ce temps très long qui est à l'œuvre sous la commune. Parce qu'en fait, il y a un piège. Si je vous le disais, ben voilà, en fait, ici, c'est les racines, tout simplement, des formes contestataires communales. Si je faisais ça, c'est comme si, en fait, les communards agissaient sans réfléchir. Donc, je dépolitise leur action. C'est juste une action populaire, sans doute. Donc, ça ne va pas. Il faut trouver autre chose. En fait, il y a plusieurs manières de comprendre pourquoi ce temps très long agit sous la commune. D'une part, en fait, les journaux font référence à ce temps-là. Il y a plein d'articles qui disent voilà ce qui s'est passé pendant telle révolte, voilà ce qui s'est passé avec Étienne Marcel, voilà ce qui s'est passé dans les communes médiévales, la commune de Gand. Donc tout ce passé-là, il est réactualisé. Alors c'est pas une histoire très précise, c'est pas le problème. C'est que ça existe en fait. De la même manière, il faut oublier qu'on est à Paris. En fait, Paris, c'est une des rares capitales où toutes ces configurations politiques se sont superposées les unes aux autres. Quand vous êtes à l'hôtel de ville, vous êtes sur la maison de pilier d'Étienne Marcel. Donc vous avez comme ça une mémoire pluriséculaire qui est ancrée dans les bâtiments, qui malgré tout résiste d'une façon ou d'une autre. Et puis la dernière piste, c'est celle d'un historien que j'aime bien, qui s'appelle Edward Thompson, qui a écrit un ouvrage majeur sur la formation de la classe ouvrière anglaise. Et il vous dit dans son ouvrage que ça c'est assez classique en fait. Les artisans anglais du XVIIIe siècle viennent de milieux ruraux et vous expliquent qu'en fait ils amènent avec eux une petite partie de leur culture rurale, très ancienne, et elle vient se mélanger au monde nouveau, au monde urbain. Et la classe ouvrière anglaise, elle est faite en fait de ces petits bouts de références culturelles, certaines très récentes, d'autres très anciennes, certaines urbaines, certaines rurales. Et je pense que ce croisement des références, sur des durées parfois très longues, fonctionne également sous la commune. Et ce qui fait qu'on peut interpréter différemment les choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce tapissier-là, commissaire de police, vous vous rappelez, qui pratiquait ce qu'on appelle le bon droit. Ce qui est intéressant, c'est que le bon droit, si vous êtes historien du 19e siècle, vous allez dire, c'est une pratique ouvrière, marginalisée par rapport à l'usage du code civil. Si vous écoutez un historien moderne, je l'ai quitté, j'en ai parlé avec eux juste avant d'arriver, ils vous diront qu'au fond, on a là ce qu'on appelle la justice sommaire du 17e siècle. C'est-à-dire une justice qui est complètement reconnue en tant que telle, pratiquée par les artisans et qui est fondée précisément sur la recherche de la conciliation et du jugement équitable. Cette référence à un droit très ancien qui s'appelle le droit naturel. Donc cette pratique qui était majeure en fait pendant les périodes modernes, le 17e et 18e siècle, n'a été considérée comme populaire et marginalisée qu'à l'issue d'un long processus de mise à l'écart qui correspond au développement de l'État et des nouvelles formes de fait que le bon droit de mon tapissier Lubert, loin d'être une pratique marginale et secondaire, en fait c'est une pratique qui a un poids historique extrêmement important et qui demeure extrêmement solide, et c'est pour ça qu'il fait sens malgré tout dans l'événement. C'est pour ça qu'il peut quitter le siège des tribunaux ouvriers pour être utilisé dans l'espace public, par exemple. Le meilleur exemple quand même, c'est celui du mot commune. Pour essayer d'arrêter un petit peu, voilà un mot qui concentre toutes les références historiques, tous les espoirs. Qu'est-ce qu'on on essaie de définir commune, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est en quoi ce mot est chargé de tous ces sens. Parce que lorsqu'on parle de commune, on entend une commune municipale. Dans les années 1860, c'est là en réalité où les républicains se réapproprient le pouvoir. On va entendre le terme de communauté, mais on va entendre aussi le terme de commune canton de Jules Fauvetier, de Charles Renouvier. Donc là, on est typiquement dans les socialistes du 19e siècle.
On va entendre évidemment la commune révolutionnaire de 1792-1793, mais on entend aussi la commune médiévale, encore une fois. La première demande de départ de la commune, c'est le retour aux franchises municipales, terme médiéval s'il en est. Et cet ensemble de passé dans le mot commune, ça explique sa force évocatrice. C'est pour ça que le mot est chargé d'une telle puissance d'autonomie. Hein, ce n'est pas un mot neutre. Ce que je voudrais évoquer ici, c'est que tous ces gestes et ces mots, ils ne sont pas anachroniques, ils ne sont pas vieux, ils ne sont pas dépassés. Ils ont une longue histoire, mais lorsque les communards les utilisent en 1871, ils ne le font pas pour rien. Ils ne le font pas pour rien pour deux raisons. Tout d'abord, pour une raison stratégique. Quand vous êtes en situation de révolution ou de guerre civile, vous ne pouvez en général agir que sur l'environnement qui est autour de vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez agir que sur les symboles, l'ordre qui est contenu dans le cadre matériel, le langage, les corps qui sont autour de vous. Vous ne pouvez pas changer le monde à grande échelle, en fait, avec ce que vous avez sous les mains, tout simplement. Et ça, évidemment, vous retrouvez à ce moment-là cette pratique dite populaire de ce monde. Et puis surtout, ils ont une pertinence politique. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet usage de l'expérience de très longue durée? Et l'idée que la politique, c'est de la chair. C'est dans les corps, ça se fait tout de suite, c'est immédiat, c'est concret, c'est pas abstrait. Il y a l'idée aussi qu'on ne peut pas séparer le politique de l'économique, du quotidien des étudiants. Tout ça, ça va ensemble. Il y a l'idée aussi que le temps de l'histoire, c'est pas un temps qu'on mesure en minutes, comme je suis en train de le faire depuis tout à l'heure, c'est un temps plein et rempli. Tout ça, c'est quand même une réponse assez pertinente aux grandes mutations du 19e siècle que sont l'affirmation de l'État, le développement d'une industrie capitaliste, l'autonomisation du domaine d'activité, ça c'est politique, ça c'est l'économie. Une fois que vous avez voté, c'est fini de vous taiser, etc., etc. Ou l'abstraction du temps. Ces caractéristiques-là, on peut les trouver dans le projet de République démocratique et sociale, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que aussi, les Parisiens mobilisent une ressource qui est leur, qui est beaucoup plus profonde et qui est efficace dans ce combat. Et cette longue durée parisienne, elle apparaît pour vous à la fois authentique, très profonde, et en même temps extrêmement moderne. Et moderne parce que pour eux, c'est ça qui est juste. C'est ça la justice populaire, c'est là qu'elle se joue. C'est de cette manière-là, à mon avis, qu'on peut essayer d'aller creuser du côté de la très très longue durée pour donner, comprendre un peu du sens qu'a eu la Commune de Paris. Alors je conclue. Encore une fois, on pourrait évoquer. Mais juste, vous voyez, j'en ai fait 4 divisions pour en faire des milliers. Mais ce que je voudrais évoquer, c'est que déjà ces 4 sont très différents et tous ces temporalités, il faut les prendre ensemble. Et pas de manière homogène, c'est plutôt lors du télescopage. Tout ça, la commune, c'est l'ensemble de ces temporalités. Ce qui fait que je reviens à ma question de départ, à quel temps appartient la commune? Distinguer de l'ancien du nouveau, vous voyez bien que ça ne veut plus dire grand chose à ce niveau-là. La commune produit son propre temps. Produit un autre temps, on produit un autre agencement des temps qui est singulier et instable. Et s'ajoute à cela le tremblement. La commune, elle a duré 72 jours. Elle n'a jamais eu le temps de se poser. Donc tout ce que je viens de vous évoquer, c'est en train d'émerger, et ça se retrouve littéralement coupé dans l'œuf. C'est pour ça que vous ne pouvez pas assigner à la commune une seule définition, même si c'est celle qui nous plaît. Il faut la maintenir, à mon avis, ce tremblement. Et c'est là qu'il prend place la dimension créatrice de l'événement, parce que se crée bien quelque chose d'autre, quelque chose de neuf, qui prend le nom de commune, qui amène une famille gouvernement, et qui va être une espèce de référence extrêmement forte. La force de cette référence, elle tient, je pense, du fait de cette richesse historique, et du fait qu'étant coupée dans l'œuf, c'est une promesse toujours nouvelle. Et c'est pour ça qu'elle traverse les temps, c'est pour ça qu'elle peut faire sens dans la lutte des classes du premier 20e siècle. C'est pour ça qu'on peut y voir aussi, si on veut, la spontanéité anarchiste. Et c'est pour ça aussi qu'on l'utilise aujourd'hui dans tous les mouvements de lutte des places, où elle évoque une souveraineté populaire territorialisée en acte. Et je vous fais le pari que dans 10 ans, on trouvera d'autres usages et d'autres définitions. D'une certaine manière, la commune échappe aux historiens. Peut-être qu'il faut que les historiens l'acceptent. Je vous remercie.